My goodness. Je sais pas si j'aurais dû. Mais c'est quoi ce monde de malade? Pas dit ce que j'ai fait. J'étais en train de réviser au Starbucks, donc c'est pour ça que c'est pas trop filmé ma journée. Mais c'est pas grave, la journée commence ici vu que le sujet du jour c'est de manger toute seule, aller au cinéma toute seule sans avoir honte. Donc voilà. Il est vraiment partout. Du coup, je vous explique en deux spies. C'est un resto, il s'appelle K-Chicken. C'est du poulet halal. Il y a toutes sortes de poulets, genre sauce piquante, sauce coréenne, croustillant, sans sauce, bref, tous les poulets que vous voulez. Et c'est halal. Donc, go goûter ça. Feedback du resto, il était bon, sans plus. En fait, j'ai déjà, c'est, franchement, le poulet, il était vraiment bon, il était bien croustillant. Je trouve qu'il était pas assez épicé à mon goût, mais il était quand même épicé. Les frites, c'était bon. C'est dommage que le HT, c'est pas du vrai HT, on le sent. Sinon, ça va. Franchement, le poulet, il était pas mal et on a un menu à 8€, donc ça va. Je suis calée, donc voilà, je recommande. Je mettrai une note de 7,5, 8 sur 10. Maintenant, direction le cinéma. Et j'espère que je vais arriver à l'heure parce que j'ai une séance à la Défense à 19h30. Donc, et là, il est 18h50. Donc j'espère que arriver à l'heure. Je suis arrivée à la Défense, truc de ouf, dans le RER. Ah, il y a que des fous. Franchement, ça va pas manquer les transports à Paris. C'est vraiment un enfer. Voilà, t'as peur, t'as peur. Des fous, ils sont là, ils commencent à te parler. Vraiment des grands malades. Enfin bref, il me reste 4 minutes avant le début de la séance. Et je sais pas par où sortir. Je viens me dépêcher parce que ça va commencer. Je suis excitée rien qu'à l'idée. Go go go. Oh putain, c'est tout ça. Oh my goodness. Je sais pas si j'aurais dû. Mais c'est quoi ce monde de malade? Que j'ai fait le bon choix de partir maintenant. Je me pose la question là. Incroyable. Donc le film il était plutôt pas mal. Franchement ça ne change absolument rien d'aller voir un film au cinéma seul ou accompagné. Je vois aucune différence. Du coup bah, je vous conseille de ouf de aller au cinéma seul. C'est aussi bien que accompagné. Bon là je rentre. J'espère que je vais trouver un bus. La question est maintenant, est-ce que j'attends le bus? Il arrive dans 15 minutes ou alors je marche. Oh mon dieu, il n'y a jamais personne dans ma rue. Franchement, ça fait rep. Je suis fatiguée. C'est KO, KO technique.